Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire voir, donc j'ai fait, donc il y a une heure et demie, j'ai fait mon emploi du temps pour, mon tableau pour l'année prochaine, la reproduction de mes canaris. Donc je vais vous faire voir tout ça tout de suite. Donc la première page, on a le mois de janvier. Alors là, j'ai marqué janvier, voilà. Alors pour le mois de janvier, donc moi j'ai commencé à partir du 12, donc le 12 lundi. Donc d'abord, avant de commencer, ceux qui connaissent rien en produits de canaries, vous pouvez rester, mais vous allez rien comprendre. Alors le 12, lundi, donc Fertivite. Fertivite, donc pour les femelles, hein, donc là c'est dans la pâtée. Alors, le 13 mardi, Fertivite, le 14 mercredi, Omnivite, le 15 jeudi, Fertivite, Omnivite, pardon, le 16 vendredi, Omnivite, le samedi 17, Fertivite, le dimanche 18, Fertivite, le lundi 19, Omnivite, le 20 mardi, Omnivite, le mercredi 21, Fertivite, le 22 jeudi, Fertivite, le 23 vendredi, Fertivite, le 24 samedi, Omnivite, le 25 Fertivite, le 26 Omnivite là ici, je me suis trompé, le 27 Fertivite, le 28 Fertivite, le 29 Omnivite, le 30 Omnivite, le 31 Omnivite. Donc là, donc là c'est pour les femelles, donc ça c'est dans la pâtée. Donc ils auront des graines en plus tous les jours, mais là pendant tous les jours, ils auront de la pâtée avec ces produits à l'intérieur. Donc par rapport au jour, ils auront tel produit dans la pâtée. Maintenant on va passer à l'eau pour les mâles comme les femelles. Alors dans l'eau, donc le 12, donc là on reprend le même planning, le 12 parce que c'est le même jour parce qu'ils auront l'eau et la pâtée le même jour, c'est un peu normal, sinon ils mourraient. Donc j'ai pu dire les dates, hein. Donc ils auront Fertivite, vinaigre de cidre, j'en ai une bouteille vide à côté de moi que j'ai fini. Donc voilà, donc vinaigre de cidre, il y a 5% d'acide, donc ça vous mettez une cuillère à soupe pour 1 litre. Voilà, alors Fertivite, vinaigre, eau, vinaigre, oui parce que c'est deux fois par semaine le vinaigre. Eau, vinaigre, Fertivite, Omnivite, vinaigre, eau, vinaigre, Fertivite, eau, vinaigre, Fertivite, vinaigre. Donc ça c'est aussi bien pour les mâles que pour les femelles. La pâtée, donc j'ai pas de mangeoire ici, donc qu'est-ce que je vais prendre? Donc je vais prendre ça. La pâtée, c'est pas plus que... Attendez, hop. La pâtée, pour une femelle, c'est pas plus que ça. Hein. Pour une femelle, j'ai bien dit. Hein. Pour une femelle, c'est pas plus que ça. Hein. Pas plus. Parce que déjà, il y aura du gâchis. Par contre, j'ai l'impression que c'est zoomé, non. Donc déjà, il y aura du gâchis, donc c'est vraiment pas plus. Après, ils vont prendre de l'embonpoint. Et c'est pas ça qu'on veut pour la reproduction. Voilà, donc là, c'est pour mâle et femelle. Hein. Donc là, on va passer au mâle. Donc les mâles, c'est quand moins. Hein. Donc là, je vais faire voir pour les mâles. Donc les mâles, c'est... Ça, il y en a largement assez pour les mâles. Hein. Si on voulait, on peut encore mettre un petit peu plus. Mais là déjà, il y en a largement assez. C'est presque la moitié qu'une femelle. Un quart la moitié qu'une femelle. Voilà. Alors, donc pour les mâles, comme vous pouvez le voir, donc là, oui, ça s'est barré tout le temps. Comme vous pouvez le voir, il y a des jours, c'est barré. Parce qu'on va pas mettre tout le temps... On va pas tout le temps leur mettre de la pâtée. Parce que, comme je vous ai dit, ils vont prendre ils vont grossir. Donc nous pour la reproduction c'est pas ça qu'on veut, donc nous on veut avoir des oiseaux en forme, donc excités,
et excités et prêts à être reproduits, à se faire reproduire. Donc le mâle n'a pas besoin d'avoir de la pâtée tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'on va voir un éléphant à la fin de la reproduction. Donc, donc les femelles, il faut qu'elles soient un peu grasses pour faire la reproduction, donc pour avoir les vitamines, tout ce qui est pour avoir l'énergie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps de la pâtée tous les jours à la femelle. Donc l'eau, bah, ça change pas. Donc là, les mâles. Donc là, ils ont de la pâtée. La pâtée parce que je commence, on est au mois de janvier. Hein. Donc on va pas commencer directement avec des vitamines, sachant que l'hiver, j'en mets pas. Donc fertilité, tout ça, j'en mets pas. Donc on démarre tout doucement, pâtée. Pâtée. Alors le 15, fertilité. Le 16, fertilité. Donc là, une journée sans rien. Le 18, omnivite. Le 19, omnivite. Deux jours sans rien. Donc, vu qu'il y a deux jours, on va recommencer doucement. Donc, pâté, le 22. Le 24, le fertivite. Le 25, fertivite. Donc là, un jour de pause. 29, omnivite. 28, omnivite. Et là, pâté pour la fin du mois. Donc là, je vais vous faire voir comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez recopier. Le focus, voilà. Donc mettez sur pause si vous voulez recopier comme moi. C'est bon, voilà. Maintenant on va passer au mois de février. Oui, donc là c'est toutes mes mâles et toutes mes femelles qui seront en reproduction, le numéro de bague, toutes mes femelles en reproduction, donc ça je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc toujours le même système de tableau. C'est toujours le même système de tableau, donc là, pareil, donc là, il y aura de la pâtée au mâle, donc pour les mâles. Pour les mâles, ce sera pas du tout pareil, là, il faudra vraiment y aller, parce qu'on fait que 14 jours de produit. Donc pour les femelles, fertivite, omnivite, pâtée. Bon, là, c'est normal, c'est un peu important de mettre un jour de pâtée. Comme ça, ils peuvent manger, ils sont pas trop énervés pour cette journée. Donc là, on recommence. Donc là, il y a beaucoup de fertivite. C'est normal parce que juste après le 15, le lundi 15, on met le nid. Donc là, on va doser en fertivite. Donc là, 6 jours de fertivite. Donc là, on met le nid. Donc ça, j'en reviendrai après ici. Donc dans l'eau. Vinaigre, omnivite, vinaigre, fertivite, vinaigre, omnivite, vinaigre. Donc là... 4 jours de fertivite dans la boisson. Donc là après c'est nid, je reviendrai ici après. Donc pour les mâles, donc c'est fertivite, barré. Omnivite, barré. Donc là ça veut dire qu'il n'y a rien. Pâté. Là pareil, 6 jours de fertivite. Donc là après c'est nid. Donc on revient aux femelles. Alors, donc pour les femelles, c'est fertivite, une fois qu'on a mis le nid. Hein. On a mis le nid, la charpie. Donc c'est fertivite. Après, donc pendant les deux jours là, j'introduis le. Donc, ah oui, putain, j'oublie tout. Donc pendant qu'on met le nid, on met une grille pour qu'ils puissent voir les mâles. Les femelles et les mâles pour qu'ils puissent se voir. Mais pendant le mois de janvier et tout ça, ils sont séparés par une cloison. Ça veut dire qu'ils peuvent pas se voir. Donc là, on met une grille pour qu'ils puissent se voir. Donc pendant les deux jours, hop, fertivite aux deux. Donc, je reviens après. Donc fertivite. Après, donc là, on met les mâles le 18. Donc là, ce sera de la pâtée. Donc après, c'est pâté et omnivite. Et là, après, ça sera pâté, parce que c'est là qu'ils vont commencer à pondre. Donc ça sera pâté. On mettra plus de produits quand ils auront pondu. Et surtout quand ils auront pondu, on ne met plus de fertivite parce qu'ils vont pondre 306 œufs. Donc c'est plus la peine de mettre du fertivite. Et encore moins quand il y aura des petits. Donc dans l'eau, donc vinaigre, omnivite, donc, non, je l'ai dit ça, je suis con, oui, 4 jours, je l'ai dit, on met le nid, fertivite, donc c'est pareil, dans la boisson, fertivite, donc là on met les mâles, donc là après ça sera eau, omnivite, et après ça sera que de l'eau pendant la période de reproduction, quand la femelle couvra ou quand elle fera son nid. Donc pour les mâles, ça je vous l'ai dit, donc là, on met le nid, donc là, fertivite, c'est pareil, fertivite dans la boisson, tout, parce que il faut qu'il soit un maximum excité pour quand on mettra avec la femelle. Donc là, ce sera pâté,
Donc pareil que les femelles, hein, pâté, pâté, donc, comme vous pouvez voir, pâté, pâté. Donc là, ça sera OO, donc vraiment normal, comme si on nourrissait sa canarie normalement. Donc là, pâté, pâté, OO, pâté, pâté. Et là, fertivite, omnivite, omnivite, ça sera le dernier produit qu'on mettra au mois de... Le 21 sera le dernier produit qu'on mettra. Donc comme vous pouvez voir, donc omnivite, omnivite, omnivite. Voilà, donc ça sera... Donc tout ça, ça sera période de la reproduction. Donc moi, j'attaque au mois de janvier, comme je vous l'ai dit, donc le 12. Le 12, j'attaquerai. Et si vous voulez... je vous ai pas fait. Alors, si vous voulez mettre sur pause. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Alors, voilà. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai plus qu'une boîte de Fertivite, excusez-moi, j'ai fini la boîte de Omnivite. Donc le Fertivite, c'est ça. Donc pas de placement de produit, vous vous en doutez bien. Donc le Omnivite, j'en ai plus. Non, j'ai plus de boîte. Quoique, je ne sais plus. Non, j'ai pas de boîte. J'ai plus de boîte. Moi, c'est ce que j'utilise pour ma période de reproduction. Donc l'année dernière, j'ai fait presque pareil. Parce que l'année dernière, j'avais pas mis de Fertivite. D'Omnivite et j'ai eu 130 jeunes. J'ai eu 130 jeunes, donc là ils sont partis pour les expositions. Ils sont partis, donc ils sont chez un ami en volière. Donc ils vont. Donc mon ami va prendre les petits, les jeunes, va les prendre en même temps que les siens. Donc moi là j'ai plus que mes couples. J'ai plus que mes couples et j'ai plus qu'une femelle qui couve. Donc c'est trop tard pour l'envoi pour les jeunes qui sont sous la femelle, c'est trop tard d'envoyer au concours, donc il me servira pour l'année prochaine la reproduction. Voilà, donc là c'est mon qu'est-ce que j'utilise moi, donc Fertivite, Omnivite, vinaigre de cidre, vinaigre de cidre, et aussi je vais faire aussi un tableau, donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc je vous parlerai de ça là-bas et je vous parlerai de quel jour mettre les baignoires. Donc c'est ça dépend quel mois, faut s'adapter au mois. Donc admettons un mois qui a 31 jours, on va mettre la baignoire, ouais c'est compliqué, on va mettre la baignoire tous les deux jours et on va mettre du vinaigre de cidre dans la baignoire. Bref, je vous ferai une vidéo parce que vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez, je peux vous refaire une vue d'ensemble. Vous mettez sur pause. On va mieux voir comme ça. Bon, mon écriture, hein, elle est revoir. Oui, donc qu'est-ce que j'utilise moi comme pâté? Donc là, il y a mes bagues. Donc, comme pâté, moi, c'est de la pâté sec. Sèche. Voilà. Moi, c'est de la pâté sèche. Il focus. Voilà. C'est de la pâté sèche. Sec. Donc, si vous voulez bien que votre produit adhère à cette pâté, vous pouvez mettre l'équivalent. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Donc, vous pouvez prendre une petite truc. Donc, j'ai plus de flotte. Ben oui, bien sûr, on est habitué. On va prendre de la flotte là-dedans. Donc, admettons, vous voulez mettre du produit. Donc, vous prenez, hop, donc je vous ai dit, pour un mâle, c'est très peu. Bon, moi, je vais les mettre pour eux, là. Pour eux, vu qu'ils sont pas en très bonne forme. Donc, je vais faire pour eux. Donc, pour eux, hop, je vais mettre à peu près ça. Parce qu'il y a deux femelles. Non, il y a un mâle, une femelle et deux jeunes. Qui sont pas bons pour le courroux, ils ont des taches. Donc là, pour ça, il y en a largement assez. Bah, voilà. Donc, on va mettre un petit peu de Fertivite. Bon, normalement, il y a une dosette, mais bon, ça se fait sur 100 grammes. Hein. Donc la dosette, c'est sur 100 grammes. Donc là, on va mettre même pas un quart. Attendez, hop. Voilà, ça, il y en a largement assez pour ce que j'ai mis. Hein. Largement. Donc ça, c'est une dosette d'un gramme. Voilà. Donc là, il y en a largement assez. Parce que, pour l'exemple, je vais pas faire un truc de 100 grammes. Donc là, on va prendre la seringue. On va venir mettre de la flotte à l'intérieur. Je sais pas ce qu'elle est bien dure à pomper. Et on va venir aller mettre quelques gouttes à l'intérieur. Attendez, je vais me rasseoir.
Voilà, on va mettre quelques gouttes à l'intérieur. Ça sert à rien d'en mettre 3 kg d'eau. Ça sert à rien de mettre 3 mètres cubes d'eau. Voilà, quelques gouttes. Et là, donc j'ai plus de petite. Putain, viens là, viens. Oh, hop, viens, dites bon. Ah, voilà. Donc là, je vais venir mélanger. Et bon, là, ça va pas parce que c'est une petite. Mais on mélange. Et ça va faire une pâtée, donc pas humide. Mais le produit va adhérer à la pâtée. Bon, là, je peux pas mélanger très bien là-dedans. Donc là, ça va aller. Ah, eux. Donc, eux, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Donc, ils ont vraiment beaucoup. Donc, ça va aller au fond dans le bloc à pâté. Voilà. Donc, on va faire voir quelques mes oiseaux. Donc, il y a toujours ceux-là. Donc, eux, je les ai bagués. Ceux qui me suivent sur Snap le savent. Je les ai. Oula. Ceux qui me suivent sur Snap le savent. Je les ai bagués. Bon. Même s'ils me servent un peu à rien de les baguer. Enfin, on va leur donner à manger après. Donc là, on dirait qu'ils ont allez, 3 jours, 4 jours. Alors qu'ils ont 6 jours presque. 6 jours. Donc là, ah oui, il est très important pendant la période de reproduction dans la pâtée. Tout le temps, mettre du calcilux. Calcilux, c'est du calcium. Donc si vous voulez pas mettre de l'os de sèche, vous mettez du calcilux. Moi, je me vois mal à mettre tous mes coupes un os de sèche, donc je mets ça. Donc ici. J'ai mes coupes, donc je les ai mis comme ça en attendant hein. Que je construise ma volière, donc il sera à cet endroit la volière, elle sera à cet endroit. Donc là j'ai ma femelle rose ivoire, mâle rouge intensif, femelle rouge intensif, mâle panaché que j'ai d'acheter, donc je vous l'ai dit dans une autre vidéo que j'allais avoir un mâle au panaché. Donc là-bas, agate opale jaune. Mâle agate opale jaune, femelle agate opale jaune. Donc ici j'ai un mâle agate mosaïque rouge, non opale mosaïque rouge pardon, mais comme vous pouvez voir il est pas commode, il respire vite, c'est pour ça que je mets du fertivite. La femelle là non plus n'est pas commode, elle n'est pas commode. Et derrière j'ai mes jeunes qui sont pas bons pour le concours parce que attendez je vais en attraper un puis je vous reprends. Voilà. Donc cet oiseau n'est pas bon pour le concours. Donc voilà, j'ai mis du colorant pour le colorer. Il commençait à colorer. Donc là, il y avait un masque, donc c'était un mâle. Voilà. Mais il a une tache sur la tête. Donc c'est pas bon pour le concours. C'est bête, c'était un bel oiseau. Il était bagué. Fais le focus. Bref, il fera pas le focus aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon numéro d'éleveur. Voilà, donc on va le remettre. Je vais vous faire voir mon mélange de graines aussi parce que j'avais dit. Voilà, je vais faire mon mélange. Donc ça c'est un mélange de graines que j'avais. Donc il n'y a pas trop de navettes. Pas trop. Non, il n'y en a presque pas. Presque pas de navettes. Donc les navettes, ceux aussi qui ne savent pas, c'est tous les trucs noirs là. Donc je vais essayer de vous en attraper une, même si c'est tout petit. Donc une navette, c'est ça. Là, ici, on verra mieux. Une navette, c'est ça. Fais le focus, merci. Voilà, une navette, c'est ça. Donc on dirait un petit bloc de charbon, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Donc hop. Donc ça c'est pas très bon pour les oiseaux. Il en faut hein, mais pas en grosse quantité. Regardez parce que là. Donc ça c'est le mélange que je viens de vous faire voir. Bah, pas trop de navettes. Oui c'est des sacs de 25 kilos. Hein. Donc il n'y a pas trop de navettes. Mais là c'est un sac que je m'y étais trompé. Bon, regardez la différence des navettes. Regardez toutes les navettes, donc c'est toutes les petites boules noires. Hein. Par rapport à là. Voilà, donc là c'est vraiment un mélange qu'il faut, donc c'est un bon mélange. Il y a des navettes, mais pas trop. Il y a des bonnes graines à l'intérieur, je ne sais pas tous les noms. Hein. Voilà, ça c'est une navette. Ça c'est, je ne sais plus les noms, excusez-moi.
Et là, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de navettes. Voilà. Donc, je vous tiens au courant donc pour les jeunes là-bas. Et puis, moi, je vous dis une bonne journée ou soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis ciao les gens. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.